đó là một normal. Frères et sœurs, avant de nous séparer, nous allons dire ensemble un dernier adieu à notre ami Cimarron. Avec respect et affection, nous nous confions à Dieu notre Père, dans l'espérance de nous retrouver un jour lorsque le mot du Christ, victorieux de tout mal, triomphera de la mort. Nous nous recueillons quelques instants de silence en pensant à tout ce que nous avons vécu avec notre ami, tout ce que nous avons reçu de lui, à tout ce qu'il a été pour nous et à ce qu'il est maintenant pour nous. En silence, nous prions. Je vous donne maintenant la parole à la personne qui a écrit l'hommage. Ouais, c'est bon. Le poète s'en est allé auprès du Père. Comme le dit saint Paul, cet apôtre si généreux et si fort. Dans Hébreux 13, verset 14. Nous n'avons pas ici notre demeure définitive. Nous la cherchons dans la maison. Les paroles de l'apôtre Paul que je viens de citer sont celles qui viennent naturellement de l'esprit du chrétien chaque fois que la mort frappe dans son entourage. Qu'une tombe nouvelle se referme sur ses affaires.
savons que Jésus-Christ n'a voulu selon la vôtre pour goûter au fruit de la mort que pour lui ôter son amertume et y déposer un germe de vie. Comme l'amour salaire aux femmes qui s'étaient rendues des dimanches au matin sur la tombe de Jésus. Mais quand les déchets et celui d'un homme dont l'ambition fit d'être ici par les chantres de la paix entre les gens, d'être dispensé de la sagesse et de l'amour, chargé de comprendre alors toute la portée, de ses enseignements, de la tombe pour nous apprendre le chemin du bonheur. Ce musicien, ce poète aujourd'hui dans ton bonheur, a traversé la vie pour célébrer la création, ma bénie. Vous prenez la solidarité et la paix, cœur artificiel. Chacun de ces chansons a été un conseil. Chacune de ces paroles un baume pour de nombreux cœurs blessés et meurtris. Par sa musique, par ses interviews, par son leadership, par ses joies, par ses douleurs, par toutes les formes, n'a revêtu son œuvre, il n'a cessé de dire à ses frères humains, aimons Dieu, aimons l'œuvre de Dieu, et aimons-nous les autres, comme le Seigneur vous l'a recommandé. Frères et sœurs, maintenant la course de Papa Simaro s'est achevée. Son combat pour la vie, l'amour et la solidarité est fini. Tant que le chrétien, notre devoir est d'accepter librement la mort, comme si elle ne s'imposait pas par la force. Et comme il est écrit dans Luc 13, 46, Père, j'ai levé mon âme entre vos mains. Ainsi disait notre Seigneur Jésus-Christ sur la croix, avant de rendre l'âme. Ainsi dira quiconque pouvait placer sa mort sous la protection de Dieu. Comme Jésus, il jettera son âme dans un cri de puissance. Dans une profession d'espérance de foi, oui, Papa Simaro fut le bon serviteur à qui j'ai promis, à qui est promise la récompense. Pour nous, frères et sœurs, la reconnaissance nous a fait un devoir d'adresser à Dieu, celui qui a si beau tant de bienfaits, nos plus ardentes supplications et prières. Que la lumière de l'éternité puisse bien vite à son âme. Que cette lumière tombe sur nous tous, nos cœurs afin d'adoucir la peine et d'y ravir la sainte espérance. Ainsi, nous disons, en signe d'amour, viens en paix, Papa. Oui, dans cette paix, Dieu qui nous connaît, plus d'orage, ni d'une vie qui ne retourne plus l'amour.
Dieu est très bon, nous remettons entre tes mains notre frère, dans l'espérance que tous ceux qui reposent dans le Christ ressusciteront pour être toujours avec lui. Nous te bénissons pour tout ce que Simaron a reçu de toi en cette vie. Nous y reconnaissons les signes de ton amour et de la communion des saints. Dieu de tendresse, accueille notre prière pour celui qui vient de nous quitter. Ouvre-lui les portes de ta maison. Et nous qui restons ici-bas, donne-nous de trouver courage et réconfort dans nos paroles d'amitié et de foi jusqu'au jour où tu nous réuniras avec notre frère auprès de toi. Par Jésus le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu, dans le mot tout puissant, vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Eh bien, tu as été amoké. On va voir la liturgie là-bas, moi.
madame. Lumière, lumière là, yo, lumière. Il y a président Patrick Malouavengi. Balobi net na filmé. Voilà. Tous à l'arrêt toujours dans l'événement. Tous à one. Patrick, on a Mettez-vous sur les côtés. Mettez-vous sur les côtés, s'il vous plaît. Sur le côté, s'il vous plaît. Sur le côté. Thank you.
Voilà, nous étions à l'église pour l'hommage de notre papa Simaro Lukumba qui vient nous purifier. Voilà, tout ça à l'église. Voilà, ma maman est basée, ma bosse, mon ami, mon bâtonnet, ma tondiawa. Donc, ça danger. Donc, on comprend que ma émotion ça m'a cassé. Mais, je vais s'en avoir une salle. Donc, je vais vous dire la vérité. Merci. Ah. Boni, Patrick Malaveni.